Bonjour Sandra, ici Claudia de Bruxelles, ton amie là, qui devait arriver aujourd'hui. Comme d'habitude, t'es en retard, mais bon, c'est pas grave, je commence à te connaître. Sandra, putain, ça fait 2 heures que je t'attends. Ouais, j'espère que le mec que t'as dans ton lit, là, il a un bon coup, hein. Bon, écoute, rapplique, là, je t'ai ramené de la bière et du chocolat. Bon, allez, à tantôt, ciao. Salut, moi, je suis à l'aéroport, là. Dis, t'auras pas eu des nouvelles de Sandra? Ça fait 3 heures là que je l'attends. Écoute-moi là, je suis fatiguée. Je vais prendre un taxi et puis je te rappelle quand j'arrive chez elle, ça va? Ouais, elle m'a donné son adresse. Non, je te rappelle quand je suis chez elle. Ok? Bon allez. Première fois en ville? Pardon? C'est ta première fois à Montréal? Ouais. Première fois en Amérique, en fait. Ah oui? OK, ben bienvenue. On a de plus en plus là, de Français qui débarquent. Je pense qu'ils trivent vraiment sur le Québec. Mais sauf que je suis pas française, mais belge. Ouais, mais tu parles comme une Française. Hein? Non, non, pas vraiment. Ben, nous autres, on voit vraiment pas la différence. Là. Non, sérieusement. On va être ici. Oui, bon, c'est encore moi. Non, 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 elle était pas chez elle. C'est pas grave, là. De toute façon, décidé, je vais me prendre un motel, là, pour la nuit. Je suis crevée, j'ai besoin de dormir. Ouais, c'est très beau, Montréal. Il fait froid, il pleut. Je suis pas dépaysée de Bruxelles. Bon, écoute, t'inquiète pas, de toute façon, je t'appelle quand je suis installée, ça va? Excuse. Je peux t'aider? J'habite ici. Excuse-moi, tu connais la fille qui habite là? Non, parce qu'elle devait venir me chercher hier à l'aéroport et j'ai toujours pas de ses nouvelles. De quoi? Ben, elle a eu un accident d'auto hier après-midi. La police est venue hier soir me poser une couple de questions. Écoute, je sais vraiment pas comment te dire ça. Elle est décédée une fois rendue à l'hôpital. Je suis vraiment désolé de te dire ça comme ça. Je m'excuse, ça, sincèrement. Ça. Thank you.
auprès de ses parents. J'imagine que tu as leur numéro de téléphone. Si tu veux, tu peux rentrer pour les appeler. Hein. Ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Ou si t'aimes mieux, on peut aller dans un café. Être plus à l'aise. Il y a du monde, c'est un lieu neutre. Ça sera pas trop long. Le service est bon, ici. Toi, t'es France. Non. Belge, c'est ça? Piou! Je l'ai échappé belle. C'était quoi ton. Excuse. C'est quoi ton lien avec elle? Une amie d'enfance. On se connaissait depuis longtemps. Déménagé avec ses parents, mais toujours gardé contact. Ok. Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dessine et puis j'écris. Une vraie belge, quoi. Moi, c'est Mathieu. Je m'appelle Claudia. Puis toi, tu fais quoi? Ben, je suis réalisateur. Télévision, pub, vidéoclip aussi. Sauf que ces temps-ci, c'est pas trop évident, là, avec la récession et toute la kit. On dirait qu'ils coupent les budgets un peu partout. Fait que, mettons que ça rush assez côté portefeuille. Non. Excuse-moi, là, j'ai vraiment un accent québécois assez intense. Là. Ça doit être évident pour toi. C'est mignon. Mignon. Merci. Merci. Combien de chances que ça arrive? Ouais. Ça me fait penser l'été passé, un couple d'amoureux. Ils vont souper sur une terrasse d'un restaurant, un hôtel. Le gars demande au serveur une table dans un petit coin tranquille. À un moment donné, il y a un bloc de ciment de je sais pas quel étage qui tombe sur la fille et qui la tue direct là. Qu'est-ce que je veux dire? Combien de chances là, que ça peut arriver à un enfant de moi? Ça arrive vite. Excuse-moi, là, je suis con. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai dit ça. Excuse-moi. Là, ça... Tabarnak. Quoi? Tabarnak. C'est un sac québécois. Dis-le, ça va te faire du bien, je te le dis. Ah non, vas-y, gêne-toi pas. Je te dis, c'est libérateur. Tabarnak. Non, pas tabarnak. Non, c'est pas comme à l'église, là. C'est un petit peu plus agressif. Tabarnak. Vas-y. Tabarnak. Ah, ça s'en vient, ça s'en vient. Une autre fois, vas-y. Tabarnak. Bon, excellent. Ça fait du bien, hein? Puis qu'est-ce qui est le fun avec ce mot-là, là, ce tabarnak, c'est qu'on peut l'utiliser vraiment là, dans plein de circonstances. Comme exemple, t'es surprise. Tabarnak. T'es fâché. Même là, t'es content. Ah, tabarnak! As-tu vu? Tu peux vraiment l'employer à toutes les sauces, là. C'est merveilleux.
Écoute, Claudia, j'aurais peut-être de quoi te proposer, mais vraiment, c'est genre sans arrière-pensée. J'ai une chambre à mon appartement. Ben, c'est pas une chambre, là. En fait, c'est le sofa dans le salon. Écoute, je comprends, là, si t'es pas à l'aise, c'est normal, là, on se connaît pas, en fait, là, mais si tu veux aussi, je peux même t'aider à trouver une chambre d'hôtel pas loin. Je te laisserai pas comme ça, c'est... Ah non, on va te sortir du bois, là. Quoi? Tu m'aimes quoi? Ah! Sortir du bois? Sortir de la merde, son gars. C'est une autre expression assez in du Québec, ça. C'est mignon. Ah, je savais. Boire ben une bière, mais faut continuer. Ouais, faut continuer. Et quand les temps sont gris et que